عمر للتعليم الخصوصي حفلا بمناسبة ميلاد سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة نرحب بجميع الحضور من فتيات وفتيان أو أمهات وآباء وأساتذة وجميع الأطراف التي تعمل في هذه المؤسسة، ونواصل فرحتنا هذه بأناشيد ومسرحيات في نفس الموضوع حول ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر دعوته. فمرحبا بكم جميعا، كنتمنى إخوانكم أخواتكم الذين سيقدمون هذه المسرحيات أو هذه الأناشيد، وشكرا لكم. Il a eu lieu le dernier samedi de chaque novembre. Il développe l'esprit de compréhension, d'entraide et de solidarité. Puis il renforce l'aide. Connais-tu l'histoire du grand éléphant qui ne voulait pas détruire la Kaaba? L'histoire a commencé quand Abraha, le roi du Yémen, a décidé de détruire la Kaaba avec ses soldats et un grand éléphant. Alors en arrivant sur la route de la Kaaba, l'éléphant s'est arrêté et s'est mis par terre. Il ne voulait plus bouger. Abraha s'est mis en colère. Quand Abraha et ses soldats ont retourné l'éléphant vers le chemin qui menait au Yémen, il s'est mis à courir. L'éléphant ne pouvait pas détruire la Kaaba. Abraha et ses soldats ne voulaient pas revenir sur leur décision et continuaient à avancer vers la Kaaba pour la détruire. Mais Allah a envoyé des oiseaux qui ont jeté des pierres sur Abraha et ses soldats jusqu'à ce qu'ils furent tous morts. Cette année pour appeler l'année de l'éléphant, cette année-là pour prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam est né un beau matin le lundi 12 Rabi' al-Awwal.
Son grand-père, Abdelmoutaleb, était si content et fier de son petit-fils qu'il a pris dans ses bras. Et elle est entrée à la Kaaba pour prier et réunir Allah. Elle a alors appelé Mohamed Bessar. Halima était une nourrice et pauvre. Ses amis, tous étaient maigres, tout était sec. Autour d'elle, les herbes ne poussaient pas, n'avaient pas de quoi se nourrir. Mais quand Halima y avait pris notre prophète, Mohamed paix sur lui. Subhanallah, ses agneaux et nourrissaient mieux et avaient bien grossi. الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاك أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك والجدع يسمع بالحنين أنينه وبكاء شوقا لا يقياك وماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا والله في القرآن قد زكاك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد الترحاب بكم بمناسبة هذه الذكرى المجيدة. نقدم لكم مسرحية من مقتطف من فيلم الرسالة، سيقدمها المستوى الخامس. نعم. كافرون، لا أعبد ما تعبدون. ابعدوهم عن الكعبة أو أوقفوا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء. احموا رسول الله، احموا رسول الله. إنه حمزة، إنه آتي نحونا. باسل ومخوار أنت يا بجل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟ لأنهم يناصرون هذا السفيه. ومن أسفه منكم؟ محمد المفتر والكذاب. ردها علي إن استطعت.
ردوها علي إن استطعتم. أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء في الليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صديقت يا ابن أخي حمزة، بارك الله فيك. Le dernier samedi de chaque novembre. Il développe l'esprit de compréhension, d'entraide et de solidarité. Puis, il renforce les liens d'amitié entre les apprenants. En plus, il sert à la réflexion collective et au sens de la responsabilité. Puis, il développe l'idée de prendre soin de l'école en général et de la classe en particulier. Finalement, il sert à organiser même des expositions et des voyages d'études. Et merci. Yeah.
sur lui. C'est la pureté d'âme et la propreté du corps. Sa vie était simple et heureuse. Sa relation avec Dieu était la plus grande. Son attitude envers ses épouses était meilleure. Elle avait de hautes qualités morales. Il avait le sang-froid, même avec ceux qui l'insultaient. Il fréquentait souvent les pauvres de sa tribu. Le sauvegarde des intérêts des pauvres l'a rendu très, très adorable chez tout le monde. Maintenant, on vous présente le portrait du prophète Mohammed. Paix sur lui en quelques notions. Il était contre le mauvais traitement des esclaves. Il traitait bien les femmes comme les hommes. Il priait Dieu pour les morts du musulman. Elle conseillait toujours de bon voisinage. Sa foi en Dieu était incroyable. Thank you.